Good morning, allez, Yiden, je serai aujourd'hui le Loïn Nishmat, Janine Louis de Bat Fortune, Mazal Fridna, Alechaya Bat Mazal Tov, Lucien Batrina, Kloshomo Ben Shalom, et Olga Bat Solvanish. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions au Sechet Gitin, Père Exaïn, Mishnachet. Arezé Gitech, Imlobati, Mikan, Vead, Shnem, Asar Chodesh, Umet, Betoch, Shnem, Asar Chodesh, Enoget. Arezé Gitech, Me'achcha, Imlobati, Mikan, Vead, Shnem, Asar Chodesh, On a encore deux Mishnayot sur les Tnaïm, sur les conditions dans les Get. Comprenez bien la nécessité, bien sûr, c'est que les gens, à l'époque, partaient, les moyens de communication étaient relativement faibles. Et on ne savait pas ce qui pouvait advenir, même si encore même à notre époque, d'ailleurs, ça peut arriver pour les guerriers. Il y a marqué dans la Gemara que tous les guerriers de David Améler, avant de partir en Get, ils donnaient un Get à leur femme. Il y en a qui expliquent que c'est un guet tout de suite, il y en a qui expliquent que non, c'est un guet que si je suis parvenu après une telle période, au moins qu'il ne soit pas porté disparu et que la femme elle reste bloquée pour l'éternité, la pauvre, comme Madame Ronarade par exemple. Imaginez le pauvre, on ne sait pas ce qu'il est devenu de son mari, elle reste mariée, elle peut pas refaire sa vie, elle reste toute sa vie. Au moins, elle sait qu'elle a reçu son guet et elle peut ensuite se relever. Et d'accord, vous avez compris la nécessité, donc imaginez à l'époque, on partait en haute mer. Je ne sais pas la sécurité des bateaux, combien elle était bonne, combien... Donc du coup, avant de partir, c'est pas forcément pour partir faire fortune aussi, on pouvait aussi, pour quelqu'un qui devait partir pour faire une grande mitzvah, D'accord ? Il y avait donc... on donnait un guet avec une condition. Va savoir ce qui se passe, au moins que tu restes pas toute seule, que tu restes pas à Gouna. Alors, on a deux cas de figure maintenant dans notre Mishnah, avec un premier qui va dire à sa femme... Arezé get, voilà ton get. Imlo bati migad mikan vachna masar chodesh. Si jamais je ne suis pas revenu dans les 12 mois, ce sera ton get. Et le pauvre, Umet betor shna masar chodesh, il est parti, mais il est mort en route pendant les 12 mois. Et bien dans ce cas-là, eno get, ce ne sera pas un get. À la différence du cas, vous allez comprendre la différence pourquoi. Arezé get me archav, arezé getach me archav, imlo bati mikan vachna masar chodesh. Ce sera ton guet depuis tout de suite, si je ne suis pas revenu dans les 12 mois, que dans ce cas-là, Umet Betor Shnei Masar Chodesh, si toutefois il est finalement mort dans les 12 mois, alors Arezé Guet, vous avez compris la différence? C'est très simple. Il a donné un guet à sa femme, on part. Je pars, je ne sais pas pour combien de temps, je ne voudrais pas que tu restes bloqué. Si jamais 12 mois je ne suis pas revenu, je suis censé prendre 2 mois aller, 2 mois retour, 1 mois sur place. Viens, on va être large, on va prendre 12 mois. Si je suis pas revenu dans les 12 mois, ce sera ton guet. La différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est ce qui dit que ce sera un guet depuis tout de suite, ou ce sera un guet quand je ne serai pas revenu. Dans la deuxième proposition de la Mishnah, on parle qu'il a dit que ce sera un guet depuis tout de suite si je suis pas revenu. Dans ce cas-là, le temps passe, le pauvre, son bateau coule. Bon, ben, alors c'est plus la peine d'attendre les 12 mois. Ça y est, on sait qu'il ne reviendra plus pendant les 12 mois. Le guet sera un bon guet, puisqu'elle a été donnée depuis la date où il a été transmis, ce sera un bon guet. À la différence du cas, du premier cas de la Mishnah, qu'il lui donne le guet, il entrera en vigueur dans 12 mois si je ne suis pas revenu. Après 12 mois, le monsieur n'est plus là. S'il n'est plus là, eh ben, sa femme n'est plus sa femme. Elle est devenue veuve maintenant. Elle ne sera plus divorcée. Vous allez me dire, alors, elle peut refaire sa vie. Au lieu d'être divorcée, elle est veuve, c'est bien même, elle peut même se faire avec un Cohen. Le problème, c'est si toutefois il n'avait pas d'enfant avec elle, et qu'il a un frère qui vit dans la, je sais pas moi, le Massacha Barzel, il est en Russie, il est en Venezuela, et ben elle devra faire le hiboum ou la khalitsa avec lui, elle restera bloquée bien longtemps jusqu'à qu'elle reçoive son guet. C'est la différence. Donc quand il lui dit ce sera un guet, quand je ne reviendrai pas, donc ce sera un guet à la fin. Et entre-temps, il est mort, il ne peut plus divorcer sa femme, elle reste Zkuka Leiboum. Tandis que, donc, comme on a dit, si elle divorce depuis tout de suite, si finalement il n'est pas revenu, et bien depuis tout de suite, c'est un bon guet, et le guet sera donc valable. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Sela.